La MSA, c'est la culotte, Bouston. Ça veut dire que vous allez continuer de plumer les paysans, quoi. Vous avez bien raison. D'ailleurs, voyez ce que je vais faire, moi. Parce que je suis éleveur à l'étang, vous savez. Je fais du gibier, je fais de la viande grasse. Et puis, vous me volez tous les ans. Mais vous, puis les autres, hein. Tout le monde me vole. Hein. Alors, voyez, vous allez me prendre mes vaches, mes broutards, puis ma chemise. Voilà. Et je vous la donne, tenez, avec plaisir. Mais continuez. Mais non, vous la rendrez jamais, vous savez bien. Jusqu'à temps qu'on crève, vous nous la rendrez. Oui. Comme ils nous prennent tout, alors autant leur donner tout ce qui nous reste. Hein. Bon, j'ai pas donné ma culotte parce que j'en ai besoin. Ah, t'en as besoin. Bah vous ouais, êtes éleveur de quel Charolais. Vous avez combien de vaches? J'ai 130 vaches à vêler. Et vous n'arrivez pas à vivre avec ça? Ah non. Piqué la chemise, oui. Pire que ça. Ils vont pas s'arrêter tant qu'ils nous auront pas piqué notre fierté. Et vous êtes agriculteur ou ça? C'est pas le même. La boulet. Non, mais... 71. Qu'est-ce que vous répondez aux éleveurs qui vous donnent leur chemise? Aux éleveurs, c'est un symbole. Mais le symbole traduit le résultat de la discussion qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que la situation est délicate, on en est conscient, et puis ils attendent des solutions. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les solutions sont au niveau interprofessionnel, ne sont pas uniquement au niveau des initiatives des abatteurs. Et nous, ce qu'on pourra faire en termes d'initiatives pour avancer sur la contractualisation, on le fera. Hein, mais il y a des choses, malheureusement, qu'on ne pourra faire que dans le cadre de la filière au global. Aujourd'hui, le prix de la viande est en train de se tasser fortement. Les animaux sont commercialisés autour de 3 euros, 3,10 euros. Des animaux qui, d'habitude, étaient commercialisés autour de 3,40 euros, 3,50 euros. Dans le même temps, les charges augmentent. Et donc, les éleveurs de viande bovine qui sont à la traîne en matière de revenus depuis longtemps voient leur situation se dégrader encore plus. Alors, ce que nous voulons, c'est une augmentation des prix. Il est logique que lorsque nos charges augmentent, il est légitime que nous demandions une augmentation des prix de vente. Pour cela, il faut en convaincre d'une part les industriels et d'autre part la grande distribution. Et quand nous voyons hier tous les distributeurs réunis autour de M. Novelli dire « nous contiendrons l'inflation alimentaire », eh bien nous sommes très inquiets. Ça veut dire qu'il y a probablement des tacites consignes de la part des ministères pour dire « tenez bon, n'augmentez pas ». Mais les agriculteurs, les producteurs ne veulent pas être la variable d'ajustement du pouvoir d'achat des consommateurs.